réveiller cette première ligne. C'est vrai, Franck, parce que Margot Laffitte et Emmanuel Moinelle, ça fait toujours des étincelles. Ça va être quelque chose d'assez sympathique. Très bon départ de Margot. Elle est, va fermer la porte tout de suite. Margot, elle part sur le, quand même sur le bon côté de la piste. Mais attention, le regard qui fait l'extérieur. Mais c'est Louis Gerbozon. À l'extérieur. Oh. Magnifique. Mais il va peut-être se faire emmener. Il nous fait une Villeneuve, là. Ben ouais, elle a la bonne position, là, Margot. Et jusqu'au bout. Bah, elle se laisse pas faire, hein. Ah, ça laisse pas faire. Alors, Louis Gerbozon deuxième, Margot Laffitte 1, Louis Gerbozon 2, ensuite Mathieu Baumel, Emmanuel Moinelle 3. Alors qu'on a vu des voitures déjà rentrer dans le Tour Joker, j'ai pas le temps de les noter. Julien Febraud et Sylvain Pussier. Ah ben super. Donc les deux derniers, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Premier tour, les deux derniers rentrent dans le Tour Joker et ensuite celui qui est en tête ou celle qui est en tête, elle va attendre l'avant-dernier, voire le dernier tour parce qu'elle est toujours sous la menace de Louis Gerbozon. Alors Louis Gerbozon, s'il est rapide, un peu plus, s'il se trouve un peu plus rapide que Margot, et bien son coéquipier va dire ben, faut y aller hein. Parce que là on a 9 dixièmes d'écart entre les deux voitures de tête, donc entre Margot Laffitte en tête, ouais, mais et Louis Gerbozon. Là Margot elle a Louis derrière. Bon, même si Louis c'est un gros attaquant quand même, c'est pas pareil que quand tu as Emmanuel Moinelle. Alors pour vous permettre de suivre ceux qui sont passés dans le Tour Joker, vous avez vu les petits repères verts qui ont été mis sur l'écran. Ça veut dire que les voitures sont passées dans le Tour Joker. Ben il y est passé là. Ça y est, il y est passé, Louis Gerbozon. Il est passé dans le Tour Joker. Donc oui, il sentait qu'il était plus vite, mais il ne pouvait pas doubler. Donc il a laissé Margot partir toute seule. Et c'est Margot Laffitte qui a le meilleur temps en course. Et 52-6, meilleur tour. Ah, ça aide bien quand on est devant quand même, hein. On n'a pas les embruns de neige, on a la piste pour soi. Ah ouais, c'est clair, maintenant il faut ressortir avec 5 secondes d'avance et c'est loin d'être gagné. Ah, on va surveiller le passage de Louis alors que toutes les voitures de derrière, j'ai l'impression, sont passées maintenant, oui. Louis Gerbozon, on l'avait noté. Ah super, l'infographie pour nous indiquer que Sylvain quand c'est vert, c'est passé. Et Gérald Fontanelle est passé aussi, donc il nous manque plus que Emmanuel Moinelle et Margot Laffitte qui n'ont pas pris le tour alternatif dans cette finale. On est à mi-course. Ouais, 4 secondes 4 hein, au dernier passage. Margot Laffitte peut passer et se permettre le luxe peut-être de ressortir devant Emmanuel Moinelle. Ah oui, 46-2, record du tour de Margot. Elle est en train de. C'est Emmanuel Moinelle qui est là, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, là je comprends pas. Emmanuel Moinelle qui en dirait qu'il va prendre alors que j'ai un deuxième sur les classements moi. Et non, il est devant Emmanuel Moinelle parce qu'il n'est pas passé dans le Tour Joker alors que Margot Laffitte y est passé. Regarde, on a l'indicateur. Exactement. Voilà pourquoi il est devant. Et là il va y passer normalement ici ou peut-être c'est le maintenant. Tour d'après. Non, c'est pas maintenant. Et bien ça sera le tour d'après. Il va y passer dans l'avant-dernier tour. Attention, la petite touchette là d'Emmanuel Moinelle. Alors, Moinelle devant, Margot Laffitte à 1 seconde, Louis Gerbozon à 3 secondes, Julien Febraud à 4 secondes, Sylvain Pussier à 7, Gérald Fontanelle à 8. Et il va ressortir loin, hein. Là ça va lui coûter très cher le tour joker, tour alternatif à Emmanuel Moinelle parce que là il est un petit peu moins rapide et en même temps il n'y est pas passé. Il va perdre 2 places, au moins 2 places et même peut-être 3. Ouais, peut-être 3, ouais. Attention, la relance. Même qui ressort derrière Julien Febraud, ouais. Ça serait une bonne opération pour le spécialiste du tour alternatif. Il essaye pourtant de se débarrasser de la pression de Margot Laffitte là, dans la grande parabolique. Alors que Louis Gerbozon a toujours une trajectoire particulière dans cette grande parabolique, tout à l'attaque pour lui. Allez, il faut y aller, Emmanuel. Non, il a encore un tour. Il a encore un tour. Il va y aller dans le dernier tour alors que Margot n'a jamais été aussi proche. Elle peut même tenter quelque chose, Margot. Ah, faut pas se précipiter là. Hein. Oui, surtout pas casser la voiture. Il faut prendre son temps. Elle le sait. Elle a été avertie par la radio, par son spotter. Mais elle a peut-être peur d'une attaque de Louis là dans cette partie du circuit parce qu'il est de plus en plus près, Louis Gerbozon. Ah, le grand retour de Louis Gerbozon. Ah, hein, ouais. Voilà, c'est clair qu'Emmanuel va passer. Oh là là, Emmanuel Moinelle là, qui va taper à l'extérieur, qui en plus va être obligé maintenant d'aller dans le dernier tour indiqué au pilote. Et il va être obligé de passer dans le tour alternatif, Emmanuel Moinelle. Donc vous allez le voir disparaître sur la gauche à la fin de la parabolique là. Ouais, elle est beaucoup plus rapide, Margot, et lui aussi derrière est très incisif. Ah oui, puis là Margot elle fait vraiment une course tactique, elle dit bon ben j'y vais pas, j'attends. Allez, là il va partir sur la gauche, Emmanuel Moinelle, alors que c'est pour Louis Gerbozon qui va peut-être arriver. Louis Gerbozon à l'attaque dans la descente. Ah, il est loin, à côte. Il va être très très loin. Oh là là, et Julien Febraud qui est revenu au contact. Ah, c'est super. Alors qui va sortir devant ou derrière Julien Febraud? Bah oui, Julien Febraud, il serre les fesses en disant il faut que je sorte avant. Est-ce qu'il va sortir avant la voiture? On va l'avoir arrivé là, sortie du tour alternatif. Ouais, il est devant, il nous reste plus qu'un virage. Ah, c'est bon.
Et voici les trois voitures de tête avec Margot qui va aller s'imposer ce soir. Ah, Margot super. Qui va remporter après le podium de Valto. Et voilà, c'est fait. Ah, c'est top. Là, franchement, je suis très content pour Margot Laffitte. Et le retour de Louis Gerbozon, deuxième, on va le retrouver sur le podium. Et Julien Febvre qui fait une bonne opération, troisième. On aura Sylvain Pussier à la quatrième place alors qu'il partait sur la dernière ligne de cette super finale. Nous allons retrouver ensuite Gérald de Fontanelle et Emmanuel Moinel, eh bien, qui aura pris des risques avec ce tour alternatif. Ça n'aura pas payé.